Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les connus de l'élevage leader. Nous avons décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour répondre à la préoccupation d'un de nos apprenants de la diaspora qui aimerait se lancer dans cette activité et qui à la base a préféré commander les porcelets chez nous. Et nous l'avons conseillé, les trucs gestantes. Donc nous avons décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous donner les raisons pour lesquelles nous vous conseillons de vous lancer plutôt dans l'élevage des porcs en commençant par les truies gestantes. Vous devez d'abord savoir que lorsque vous vous lancez avec les truies gestantes, le système est plus rapide. Parce que généralement, les éleveurs ou certains novices ont tendance à dire que l'élevage de porc est une activité à long terme. Nous allons vous faire comprendre aujourd'hui que lorsque vous vous lancez avec les truies gestantes, ça vous raccourcit au maximum la tâche. Parce que lorsque, par exemple, vous venez chez nous, vous prenez une truie gestante, parce que tous les trucs que vous voyez là sont des truies gestantes. Une fois que vous prenez une truie gestante. Une fois que vous prenez une truie gestante, elle a pratiquement un mois à un mois et demi pour mettre bas chez vous. Ça veut dire, lorsque vous prenez une truie gestante et que l'on pèse, elle vous revient pratiquement à 250 000. Parce que vous savez qu'on ne croise pas les truies lorsqu'elles sont inférieures au moins à 90 kg ici chez nous. Ça, c'est toujours pour que votre truie ait une très bonne carrière. Parce que si vous croisez les truies qui sont encore immatures, lorsque vous allez finir la carrière de votre truie au bout de 3 ans, elle n'aura pas un bon poids carcasse. Donc, raison pour laquelle, si chez nous, nous croisons les truies lorsqu'elles ont au moins 90 kilos. Voilà. Et lorsque les truies sont croisées, ici chez nous, nous prenons la peine toujours de bien noter la date de croisement. Donc, nous avons un registre qui est bien, dans lequel on mentionne presque tout. Et lorsque vous choisissez votre poids, on vous donne la date à laquelle la truie doit mettre bas chez vous. Donc, lorsque la truie arrive chez vous, elle a maximum un mois et elle met bas. Lorsque vous obtenez les petits, vous avez pratiquement 35 jours à 38 jours, maximum 45 jours pour sevrer vos porcelets. Donc, vous voyez que si vous avez acheté une truie, par exemple, ici chez nous, à 250 000, et qu'au bout d'un mois et demi, elle a mis bas chez vous, un mois, vous sevrez les porcelets. En 2 mois, vous avez déjà pratiquement plus de 15 porcelets chez vous. Supposons que vous avez sevré 10 porcelets. Imaginons maintenant un éleveur qui a plutôt commencé avec le système qui est plus pratique, c'est-à-dire 9 truies, un mâle, ou 10 truies, un mâle. Vous voyez que si vous prenez 10 truies ici chez nous, par exemple, nous sommes présentement en octobre. Si vous prenez une truie en octobre ici chez nous, maximum en janvier, décembre, elle doit mettre bas chez vous. Janvier ou février, vous avez déjà vos porcelets que vous avez sevrés. Et si vous avez acheté 10 truies, 250 000, ça fait 2 500 000. Lorsque vous avez vos porcelets, parce que ici nous commercialisons les porcelets, le minimum du porcelet chez nous, c'est 35 000 le porcelet. Ça veut dire que lorsque vous avez vos porcelets au bout de 2 mois et demi chez vous, vous voyez que vous avez déjà pratiquement 100 porcelets. Parce que la moyenne de la mise bas ici chez nous, c'est 15. Étant donné que ce sont les premiers pompes, vous mettez peut-être à 13 et vous servez 10 porcelets. Donc vous voyez que si vous avez 10 porcelets par truie, ça vous fait pratiquement 100 porcelets directement chez vous. Ces 100 porcelets-là, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous pouvez décider de retirer même 50. Vous retirez 50, vous vendez en porcelets. Si vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez décider d'engraisser tous ces 100 porcelets. Et vous devez aussi savoir que lorsque vous prenez la truie gestante, le système est encore plus rapide parce qu'en 1 an et demi, vous avez la possibilité d'avoir pratiquement 3 mises bas chez vous. Je dis bien 3 mises bas chez vous. Donc vous voyez qu'en 1 an et demi, en prenant 10 truies seulement, vous avez pratiquement 300 porcelets. Si on va aller sur 2 ans et 3 ans, vous voyez qu'en 2 ans et 3 ans, vous tendez déjà vers 1000 porcs dans votre exploitation. Donc vous voyez que si vous avez déjà presque 1000 porcs dans votre exploitation, vous pouvez facilement établir un système où vous commercialisez peut-être 10 porcs chaque mois ou 30 porcs chaque mois. Ça va dépendre du système que vous allez mettre en place. Et vous allez voir que votre activité sera fortement rentable. Là, c'est contrairement à celui qui a pris les porcelets. Lorsque vous prenez les porcelets, le système est un peu plus long chez vous parce qu'il va falloir nourrir les porcelets pratiquement encore 7 mois avant de commencer à réfléchir si vous allez croiser ou pas. Si le technicien n'est même pas bien apte, ce qui est sûr qu'on mettra les erreurs, vous allez vous retrouver au bout de 1 an et demi, voire 2 ans avant d'avoir les porcelets. Donc le système le plus rentable pour vous, nous vous recommandons, c'est de vous lancer avec les truies gestantes ou les truies prêtes à croiser. Ça va, ça va. Ça va.
Oui, là, comme ça, nous préparons la livraison des truies d'un de nos clients de la diaspora qui a passé la commande de 10 truies gestantes chez nous. Et vous devez savoir que lorsque vous prenez les truies gestantes, normalement, la livraison doit s'effectuer toujours en soirée, comme vous observez là. Parce qu'en soirée, les animaux doivent arriver à la ferme en bonne et due forme. Parce que ce sont les ports ne supportent pas la chaleur. Parce que si vous prenez en journée, il y a de fortes chances que les embouteillages vous causent les mortalités. Et une fois que vous avez les ports dans votre exploitation, vous devez savoir que l'alimentation des truies gestantes est de 3 kg, est de 3 kg par truie. Donc ça veut dire que lorsque vous prenez comme ça, vos truies, vous arrivez à la maison, vous les donnez 3 kg par truie. Ça veut dire que là, ils vont consommer pendant un mois et vous aurez les mises bas chez vous. Ça veut dire que ces 10 truies doivent consommer 3 kg fois 10. Fois 300 qui représente le kilogramme de l'aliment actuellement. Puisqu'avec le coût de matière première élevé de nos jours, le sac moyen pour les truies gestantes est de 15 000. Voilà. Donc, pour ceux qui ont besoin des truies gestantes, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Comme vous pouvez observer là en vidéo, ici c'est la qualité, rien que la qualité. Vous savez qu'ici chez nous, nous faisons dans l'amélioration génétique. Donc, nous commandons chaque fois les semences pour améliorer la génétique. Là en vidéo, vous avez les top picks et les large white. Si vous avez aussi besoin des piétrins, c'est disponible chez nous. Nous venons présentement de finir avec la livraison de nos truies gestantes. Pour ceux qui sont dans le besoin des truies prêtes à croiser, des bons mâles reproducteurs, des porcelets ou des truies gestantes, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous allons prendre des dispositions pour vous livrer. Je tiens encore à rappeler qu'ici nous vendons nos porcs au kilogramme. Ça veut dire que lorsque vous voulez acheter vos porcs, on prend les porcs, on met tout simplement sur la balance le poids qui affiche, on multiplie par le prix convenu et vous chargez vos porcs. On peut vous aider au niveau du déplacement parce que nous avons les véhicules ici pour le transport de nos animaux. Donc si vous êtes dans le besoin, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Pour ceux aussi qui sont nouveaux dans l'activité et qui ont besoin d'un business plan, par exemple pour 10 truies gestantes, un mâle, ou pour 20 porcelets, ou pour les porcelets, ou pour l'engraissement, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Pour ceux aussi qui ont besoin des plans de construction et des devis de construction pour leur porcherie ou leur poulailler, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous allons mettre ces devis à votre disposition. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao. Oui, là en vidéo, vous avez une truie Pelipa qui nous a donné pratiquement 17 porcelets comme vous pouvez observer là en vidéo. Oui, donc là ce sont les résultats que nous obtenons ici. Observez vous-même la beauté de ces porcelets. Donc nous avons effectué un croisement entre large white et pied grain. C'est le résultat que nous avons obtenu là-bas.